Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Difficiles Aventures, l'épisode numéro 50. 50 les amis, c'est quand même plutôt énorme. Sachant qu'il y a eu 36 épisodes dans la saison 1, 36 dans la saison 2, ce qui fait 72, plus le 50e aujourd'hui, on en est à 122 épisodes, sans compter évidemment les lives, et sans compter tout ce qui a été fait hors caméra. C'est assez extraordinaire, donc voilà, c'est une sorte d'anniversaire un petit peu pour la saison 3 des Difficiles Aventures, donc 50e épisode, et surtout, je vous remercie beaucoup d'être encore très 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 fidèles à la série, ça me fait extrêmement plaisir. Alors je m'étais demandé s'il fallait faire quelque chose de spécial pour l'épisode 50, et puis finalement j'avais très envie de construire, donc en fait je suis resté sur un épisode qui va être somme toute assez classique, mais qui va vous promettre, je l'espère, de belles constructions et de beaux timelapses. Alors nous sommes dans la zone de Brooklyn, ça fait un moment qu'on n'était pas venu par ici, donc pour vous resituer un petit peu, on est dans une zone où il y a simplement le terraforming qui a été fait, donc l'aplatissement grossier de la zone, et puis des routes ont été placées, quelques repérages au sol pour nous donner quelques indications, mais rien de forcément définitif, un petit pont là-bas qu'on aperçoit à peine, et puis ce bâtiment un peu témoin que j'avais fait dès le début pour donner un petit peu une idée du style qui va être dans la zone, donc quelque chose de très orienté brique avec des bâtiments type New York et le Bronx, Harlem ou type Chicago un petit peu aussi. Et puis du coup on en parlait en live avec Wincraft et Greby, et Wincraft et Greby ont relancé l'idée du métro en se disant ouais, mais ça serait cool quand même d'avoir un métro aérien. Vous savez que c'est un petit peu l'arlésienne dans la cité contemporaine, on doit faire un métro souterrain depuis belle lurette, hein. On n'a toujours pas fait le design des stations, et on se disait oui, mais on peut pas faire les deux, on va pas faire un métro souterrain, un métro aérien. En plus, on a déjà construit les routes par là-bas, ça va être compliqué de rajouter un métro aérien. Bref, j'étais pas trop chaud, et en fait, Wincraft a eu l'idée qui m'a fait un petit déclic. Bah, tout simplement, il peut être souterrain dans certains endroits de la ville et aérien dans d'autres endroits. Et là, boum, badaboum, on s'est dit tous ensemble, ah ouais, c'est une super bonne idée, on va pouvoir faire un métro aérien dans la ville de Brooklyn, enfin dans le quartier Brooklyn, et puis le métro sera souterrain à d'autres endroits. Donc, c'est pour ça que vous avez vu dans le petit timelapse d'introduction le changement des routes ici. Je voulais commencer le métro aérien à partir de routes qui étaient dans le bon état, donc en béton plutôt qu'en laine. Greby a aussi bossé hors caméra, donc vous l'avez pas forcément beaucoup vu sur le timelapse, mais il a fait aussi quelques morceaux de route par là, de l'autre côté, par là-bas, enfin bref, et ça je l'ai pas, du coup j'étais pas là quand il a fait ça, donc c'est pas sur le timelapse, mais il l'a fait. Il y a même lui à Paul qui est venu me donner un petit coup de main par ici, parce qu'il a fallu, vous l'avez vu, élargir la route. En effet, notre petit métro aérien, il va suivre le tracé de cette grande route qui est un axe nord-sud, on voit l'étoile polaire, et du coup, donc nord-sud, elle va, cette ligne aérienne va traverser tout le quartier Brooklyn. Elle va venir jusqu'ici. Et là, c'est ce qu'on va travailler, je pense, en timelapse dans un instant. Ici, je vais essayer de la faire tourner par là, la faire coller le bâtiment qui est déjà construit pour qu'elle baisse petit à petit de niveau, et par ici vraisemblablement assez proche de la route qui se trouve juste là, hein, vous voyez, eh bien on va s'enfoncer, on va enfoncer la ligne sous terre, et à partir de là ça deviendra un métro souterrain pour aller vers les quartiers les plus modernes de la cité. Donc je suis très très emballé par ce projet. On a fait pas mal de tests en créatif. Il faut savoir que Wincraft a mis à notre disposition un petit serveur créatif pour tous les membres du serveur, donc je leur remercie beaucoup. Et du coup on a pu se mettre à plusieurs autour des premiers projets du métro. On a amélioré pas mal de choses et on vous prépare quelque chose qui va être vraiment sympa. J'ai farmé du matériel qui se trouve là. Je ne sais absolument pas si on aura
aura l'occasion de faire une grande ligne, ou si on va en rester aux prémices, parce que ça va demander énormément de matériaux. Surtout le problème, ça va être comme d'habitude les enclumes, parce que vous vous en doutez, mais les rails, on va les faire avec des enclumes. Mais bon, on va faire ce qu'on pourra dans cet épisode, mais en tout cas, je suis très très emballé. Allez, c'est parti, j'ai assez parlé, timelapse, et on se retrouvera après pour en parler davantage, en espérant que cet épisode vous plaise et que ce projet vous emballe. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve après ce gros timelapse de construction. J'espère qu'il vous aura plu. On a passé pas mal d'heures avec les copains, que ce soit en live ou tout seul dans notre coin sans les caméras, pour vous faire ce métro qui est vraiment très sympa. Je l'aime beaucoup. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Il faut savoir qu'on a conçu en grande partie ce métro en créatif d'abord. Et grâce à Wincraft, on a la chance maintenant d'avoir un serveur créatif accessible à tout le monde, tous les aventuriers. Donc du coup, on s'est réunis à plusieurs reprises pour faire des tests comme ça avec Wincraft, Luapol, Corfandar, Greby. Et du coup, on a construit ce métro à plusieurs. Donc c'est ça qui est cool, vraiment, qui est très très sympa. Alors, je pourrais pas tout expliquer, mais on va commencer par certains détails. Donc par exemple, ici, vous avez vu
en timelapse que Grépy a aménagé cette petite route. C'est lui qui en a eu l'idée. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais que le métro aérien s'enfonce dans la terre à cet endroit-là pour devenir souterrain dans le reste de la ville. Le problème, c'est que bah, vous voyez, le terrain, il est naturellement en pente. Et du coup, bah, le métro n'arrivait jamais à rejoindre suffisamment la terre pour que ce soit réaliste. Ou alors, il fallait une pente vraiment beaucoup trop abrupte. Du coup, on a décidé avec Grépy, eh bien, tout simplement de prolonger la ligne de métro aérienne, enfin la ligne aérienne, et de la faire s'enfoncer dans le sol à cet endroit-là, au niveau de la future caserne de pompiers. Ici, il y aura une caserne de pompiers, voilà, c'est écrit, c'est noté. Mais il va falloir du coup que je la design. Mais on a super bien fait de faire le métro avant, parce que du coup maintenant, quand je vais faire mes designs de caserne de pompiers, eh bien, je vais tout simplement devoir tenir compte de ce métro qui s'enfonce. Pour revenir donc à cette idée de route qui passe sous le métro, ensuite on s'est dit mais le problème ça va être la hauteur. Et du coup Grébi a proposé que la route s'enfonce un petit peu, comme ça existe à certains endroits, plutôt dans les villes européennes, hein, on est d'accord que dans des villes américaines, mais bon. Et du coup la route se rétrécit, il n'y a plus qu'un seul véhicule qui peut passer, donc il faudra qu'on installe un système de feux rouges, probablement pour que les voitures ne s'embouteillent pas tout simplement dans ce petit tunnel qui passe sous la route. Et puis on a aussi le petit passage pour les piétons, et puis il va y avoir un petit peu de terraforming ici parce que le sol là il est tout moche, troué de partout avec de l'herbe, etc. Mais ça permettra d'accéder à cette partie-là du quartier. Donc voilà pour cette petite route qui passe sous la ligne de métro. Allez, on va aller faire un petit tour du côté du bout de la ligne de métro parce que c'est quand même aussi un moment. Enfin, j'ai passé un moment aussi à le faire par ici. Hop, on va refermer quand même derrière nous. Donc voilà, le métro s'enfonce jusque sous l'immeuble de Kira. Et du coup, il descend, il descend, il descend. Et puis après, j'ai utilisé la même technique que d'habitude. Vous ne devez plus voir grand-chose, mais j'ai des torches. Ha ha! On va la mettre dans la main gauche, voilà. Et du coup, eh bien, tout simplement, là, j'ai mis un mur de béton noir. On a quand même des rails, mais je me suis pas foulé. Ici, j'ai mis que de la stone parce que de toute façon, c'est recouvert de carpet pour être non spawnable. Donc, j'ai pas mis du gravier et des dalles comme ici parce que là, ça se verra, mais au fond, ça ne se voit pas du tout. Donc, voilà la petite astuce pour que la ligne de métro paraisse s'enfoncer dans les profondeurs de la Terre. Alors, vous voyez que cette ligne de métro, eh bien, tout simplement, elle est double déjà, hein, contrairement aux autres lignes de voie ferrée que j'ai faites, qui étaient toujours simples, celle-ci est double. Les traverses ne sont pas en bois, mais sont en métal. Et le pont en lui-même, dès qu'on arrive ici sur la partie suspendue, eh bien, il est très très aéré. On voit énormément la lumière passer. Et pour ça, je me suis inspiré tout simplement du métro new-yorkais. Hein. J'ai pris Google Street View et je suis allé à New York me balader. J'ai trouvé un quartier dans le Bronx où il y avait un métro suspendu comme ça, et du coup j'ai constaté qu'il faisait des ponts très légers avec énormément de métal. Il y a du basalte, je sais plus s'il y a du. Comment ça s'appelle? C'est pas du basalte, du. Mince! Je retrouve plus le terme pour le gravier qu'on met là. C'est pas je sais plus, vous me direz, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, eh bien, je sais pas s'ils en ont mis du gravier, mais moi j'ai choisi de mettre que des traverses en métal, comme s'il n'y en avait pas. Donc ces traverses en métal, je les ai symbolisées avec les trappes d'or en fer. Et oui, ça coûte cher en fer. Entre les enclumes et les trappes d'or, ce pattern coûte très très cher. Alors dans l'idée, ce qui m'a beaucoup plu dans le métro new-yorkais, c'est qu'il passe, et j'ai regardé Chicago aussi, il passe vraiment au ras des habitations. Et donc c'est pour ça que j'ai designé la ligne pour qu'elle passe vraiment pile 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 poil à côté de ce premier bâtiment qu'on avait déjà fait. En dessous, là, il y a pas de route ici, hein, mais ce sera une sorte d'arrière-cour en fait. Mais dans la réalité, c'est le cas à certains endroits, pas partout. La plupart du temps, le métro est au-dessus des routes, comme ici par exemple, après le virage. Mais dans certains cas, le métro passe au milieu des blocs, au milieu des quartiers. J'ai vu ça par exemple beaucoup à Chicago, donc c'est ce que j'ai voulu faire ici.
Donc plop plop plop, là on arrive sur les rails avec des enclumes comme d'habitude, et là on arrive dans la station de métro. Alors le design du métro est en grande partie dû à Grébi. Au départ j'étais parti moi sur un métro plus fin de 3 blocs seulement de large, mais ça donnait pas suffisamment de place pour faire du détail. Du coup on a changé un peu, moi j'ai décalé mon pattern de rail vers l'extérieur des voies pour avoir un métro plus large qui fait 5 blocs de large, et du coup ça permet d'aménager l'intérieur, et l'intérieur c'est l'UAPOL qui s'en est chargé. Alors on va ouvrir, et du coup à l'intérieur on imagine que c'est un métro sans chauffeur qui se conduit tout seul, mais regardez, il n'y a pas grand chose, hein. C'est très légèrement décoré, mais ça suffit. Des petits sièges, des barres en métal pour se tenir, et voilà, on a notre métro. Alors ce qu'on pourrait rajouter à certains endroits, je viens d'y penser, c'est des tableaux pour faire style, il y a des pubs. Ah ouais, ça pourrait être stylé, on pourrait faire ça. Et du coup, on se trouve à la station de métro. Alors, le métro, on l'a fait avant la station. Donc, le métro, là, vous voyez, il est un peu collé à la fin de la station, alors que devant, il y a un peu de marge. Alors, c'est pas grave. Je trouve que ça donne un côté vivant à la scène. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le métro, bah, il s'est arrêté là, pas au milieu. Ce qui est un peu, je trouve, improbable, compte tenu du fait qu'on a dit qu'il était automatique et que les métros automatiques s'arrêtent vraiment pile poil là où il faut. On peut aussi tout simplement imaginer que c'est un métro qui rentre en gare et qu'il n'est pas encore arrêté. C'est pour ça que j'ai choisi de laisser les portes fermées, comme si le métro était en train d'arriver. Alors au niveau de la gare, au niveau de la station, là encore je me suis inspiré de New York, mais pas trop. Là pour le coup on est moins sur une reproduction que d'autres éléments. On a donc la seule chose qui... Enfin ce qui m'a inspiré, bah, c'est forcément les deux quais, l'un et l'autre, enfin d'un côté et de l'autre de la voie, le fait que ce soit centré par rapport à l'intersection, qu'il y ait des escaliers sur le côté, on va y revenir, et puis le fait aussi que le toit ne couvre pas toute la station, c'est-à-dire que sur la station que j'avais vue à New York, le toit, voilà, il couvrait le milieu de la station mais pas les bords, c'est ce que j'ai fait ici. Par contre, après, dans la station new-yorkaise que j'ai vue, dans les stations que j'ai vues, en général, c'est bouché, c'est fermé, il y a des murs. Sauf que c'est des murs très fins et que, vous voyez, il aurait fallu que j'utilise l'épaisseur d'une vitre, par exemple. Sauf que je pouvais pas faire toute la station en vitre et qu'on n'a pas de bloc qui fasse aussi léger. Donc j'ai choisi quelque chose de beaucoup plus aéré avec des barrières et avec du vide. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt satisfait. Je voulais mettre un petit peu de couleur aussi, donc j'ai choisi ce toit en acacia et en bouleau. Windcraft n'était pas tout à fait convaincu par les couleurs, donc dites-moi ce que vous en pensez, sachant que je tenais absolument à conserver le côté fin avec les dalles, et que là, pour le coup, j'ai pas trop de couleurs à ma disposition. Enfin voilà, donc on va pouvoir terminer cette petite visite en prenant les escaliers, sachant que chaque quai est symétrique, hein, donc de l'autre côté on a exactement la même chose. Alors, pour les escaliers, on a repris une idée de Windcraft, c'est Corfandar, hein, qui a designé cet escalier. J'ai complètement repompé ce qu'il a fait sur le serveur créatif, et Windcraft avait déjà eu cette idée d'alternance entre trappe en métal et stone slab, ce qui permet de faire un escalier vraiment sympa. Je l'aime beaucoup. Ensuite, il est entouré de grilles de partout, bah, pour la sécurité tout simplement, on ne peut pas tomber. Et quand on arrive en bas, eh bien, on a un tourniquet, on a un petit portique. Donc on a imaginé que là, pour le coup, je ne sais pas, je pense pas que ce soit très réaliste, mais on a imaginé qu'il faudrait acheter son billet ici, hein, avec l'appareil qui est un dropper, et qu'on aurait le petit tourniquet pour passer ou pour sortir. Voilà, c'est probablement pas super réaliste comme chemin de passage pour les passagers du métro. En général, il y a une sortie, une entrée un peu distincte. Les machines sont peut-être pas ici, elles sont peut-être plus sur les quais. Mais disons que nous, ça nous arrangeait bien de faire comme ça. On voulait pas non plus faire un truc trop lourd. Ici, on a mis quand même des grilles de deux blocs d'épaisseur pour faire style que les resquilleurs ne peuvent pas rentrer facilement. Mais bon, voilà, ça reste plutôt simpliste. En tout cas, voilà donc pour cette station de métro. Et moi, je la trouve vraiment très sympa. J'aime vraiment beaucoup ce métro aérien au-dessus de la route. Et quand on passe dessous, vous voyez que
Alors là, c'est un petit peu un mauvais exemple parce que mes piliers sont pas bien calés. On va aller de l'autre côté qui est plus ordonné, on va dire. Donc entre les piliers, on a la place de caser des voitures. Il y a des petites places de parking. Bien sûr, on a la place de passer dessous. Alors peut-être pas les gros camions, mais à New York, c'est comme ça. Il y a des panneaux qui avertissent les gens que la hauteur est limitée. Et puis, on a quelque chose de très aéré, hein. Quand on regarde au-dessus de nous, on voit les étoiles, on voit le ciel. Et c'était ça que j'avais observé à New York. Ça permet aussi de laisser passer la lumière naturelle. Bon là, on est de nuit, donc forcément, ça se voit plus beaucoup. Mais en tout cas, de jour, on voit bien la lumière et c'est bien sympa. Ça évite d'avoir des chauves-souris, des machins comme ça qui spawnent. Et moi, je suis vraiment très très content de ce métro. Je trouve que ça rend vraiment bien. Il faut imaginer bien sûr qu'il va pas rester tout seul dans la zone. Il faut imaginer qu'il y aura plein plein de bâtiments tout autour, des beaux bâtiments new-yorkais avec beaucoup de briques, essentiellement des magasins, des petites vitrines, tout ça, tout ça. On s'y attellera très prochainement pour donner à ce quartier un aspect vivant. Mais dès l'instant où on a eu cette idée de métro, c'était vraiment indispensable qu'on fasse passer la ligne de métro avant les bâtiments, notamment parce que vous voyez là, les escaliers, bah, ils débordent sur l'emplacement qu'au départ on avait prévu pour les bâtiments, donc bah c'est pas grave, on décalera le bâtiment, mais imaginez que si on avait construit d'abord une maison ici, bah ça aurait été très très galère de faire cette station de métro. Donc voilà, j'espère que cet épisode de, enfin cette construction vous plaît. Avant de terminer l'épisode, il nous reste une petite chose à faire. J'en ai pas parlé, mais vous l'avez peut-être vu si vous êtes observateur sur le timelapse. Nous avons été rejoints par deux nouveaux membres. Il s'agit de Marco Sokolov et de Palpatine, qui sont tous deux joueurs du serveur Born to Mine, qui est aussi un serveur de Minecraft en survie. Ils nous ont rejoints, on les connaît dans l'équipe, enfin on est plusieurs à les connaître depuis pas mal de temps, et ça me fait extrêmement plaisir de les avoir accueillis. Ils sont passés à l'occasion du live où je construisais avec Winkraft et lui Apple la ligne de métro, donc vous les avez peut-être vus sur le timelapse. Je vous passe un petit bout rapide de leur arrivée sur le serveur, comme c'est la tradition, et on se retrouve juste après pour terminer cet épisode. Bon bah écoutez, c'est quand vous voulez. Voilà, bien sûr, il est directement. Eh non! Remettez-le! Il n'est pas au bon endroit! Oh là là, mais qui lui a tiré dessus? Je vais mourir. Eh, c'est pas. Qui c'est qui m'a tiré dessus là? Vous ne m'entendez pas? Ouais, c'est Grimby qui l'a tué! Ouais, comme ça il est dedans. Comme ça il est dedans, ouais, bah bravo. Voilà, bienvenue. Allez. Yay! Je vais pouvoir le tuer moi aussi. C'est des chevaux adaptés en fait. Ouais, adaptés à ton skin de Marco. Bon, comme on a eu des petits soucis de préparation des feux d'artifice, on a choisi une autre façon de vous accueillir gentiment et poliment sur le serveur. C'est des flammes aussi. Oui, bah c'était pour réchauffer l'ambiance. Vous êtes déjà en train de vous battre, c'est bien. Ouais, les paris sont ouverts. De vieilles rancunes. Les paris sont ouverts. Vachement fort quand même la musique. Les paris sont ouverts. Voilà. Je crois que ça a été expédié. GG, Palpatine. Mais qu'est-ce que. Tu vas tomber Minecraft. Pourquoi il y a des choses qui ont explosé au sol là? C'est moi qui suis mort. Encore? Du coup, j'ai vu que t'avais une cape, Palpatine. Oui, j'ai une cape. Mais Winkraft aussi, il a une cape. Ouais. Oh là là, cette évasion, Marco. Ça craint. Alors, les chevaux verts, c'est spécial dédicace pour Marco, en fait. Hein. Puis le feu et les flammes, c'est pour moi. Oui. Tout. En fait, c'est Corfondard, je sais pas quels œufs t'as utilisé. Bah des œufs de chevaux zombies. Je crois des ailes. Je pense pas que c'est des créatures d'ailleurs qu'on peut avoir comme ça, normalement. Non, je crois pas, non, j'ai jamais vu. Hein. Non, on peut pas les obtenir. Ça. Et c'est marrant qu'ils aient mis ça dans le jeu alors qu'ils les exploitent pas du coup.
Alors ça fait quel bruit quand ça meurt? Ça fait... comme les zombies géants, finalement. Ah ouais? Ça, ça j'ai jamais ah testé. Ah ouais, ça hurle. Et voilà les amis, j'espère que cette arrivée de deux nouveaux membres vous plaît. En tout cas, nous on est très 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 heureux d'être de plus en plus nombreux, tout simplement, sur le serveur. Ça fait extrêmement plaisir. J'en profite donc pour terminer cet épisode avec les shaders. Ça fait un moment qu'on n'avait pas mis les shaders. La belle tour de Kira là qui est dans le contre-jour. Et puis donc ce tout nouveau métro qui vraiment, moi, m'enthousiasme énormément. Donc on va passer beaucoup beaucoup de temps à farmer du fer pour faire toutes les enclos. Mais c'est pas grave, en attendant voilà, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce que ça donne, voilà, quand on est dessous avec la lumière du soleil. Alors attendez, on va se mettre par là, là je pense qu'on va voir les rayons du soleil passer à travers la structure. Mais voilà, voilà, moi c'est ça que j'adore dans ce métro, c'est vraiment cet effet de lumière qui passe à travers les différentes structures métalliques du métro et l'ombre portée voilà, regardez-moi ça, j'adore. Voilà, et bien merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir suivi les difficiles aventures. On se retrouve à la rentrée avec d'autres épisodes, d'autres constructions. En attendant, passez de très bonnes semaines et je vous dis à très bientôt les amis. Salut, salut!